Oui, amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Ben, je reviens comme ça de Dallois. Hier, nous avons passé une nuit à Dallois pour aller justement soutenir une famille. C'est ça notre ministère. Moi-même, je n'avais pas de vie. Je suis toujours absent de la maison. Voilà, j'ai pris Dieu pour que celle que je vais marier puisse comprendre. Ça va venir. Elle va comprendre un jour. Sinon, ce n'est pas facile. Je n'ai pas de vie. Je suis toujours peut-être dans deux avions, toujours en train de voyager. Voilà. Je me suis absenté un peu parce que je suis consultant de la télé. Mais je crois que mercredi, j'ai eu une émission au Matin Bonheur. Ça se fait chaque 6 mois. D'ailleurs, chaque 6 mois, malheureusement, ils m'ont mis avec un musulman. On dit causerie débat. Et lui, il me flèche. Donc, la causerie même l'a noyé. Je pas sur le terrain. On dit qu'il faut expliquer la sorcellerie. Qu'est-ce que l'islam dit en France? Il dit face à la sorcellerie. Toi, tu rentres, pasteur a dit, c'est moi qui veux contredire. Voilà, moi j'aime les musulmans, comme je disais dans la radio, ce sont mes parents. Je suis musulman. D'ailleurs, je pratique dans la religion musulmane. Je n'ai jamais dit aux gens ici, tant que vous n'êtes pas musulman, ne rentrez pas dans mon bureau. Je n'ai jamais dit ça aux gens. En ce qui concerne la religion, c'est Dieu qui impose ça aux gens. Mais la sorcellerie existe, c'est ce que je dis aux gens. Arrêtez de vous croire que tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Ça, je suis contre ça. Je suis contre cette philosophie. Ce n'est pas tout Dieu envoie. Et c'est ce qu'il disait à ce imam-là. Donc, vous ne croyez pas à l'œuvre du diable. Vous prenez l'avion pour aller le lapider à la Mecque. Tu attends, tu es où? Mais voici, il y a pour le lapider Satan. Satan. Vous croyez? Oui, mais à la Mecque, c'est pour aller lapider Satan. Vous ne croyez pas à Satan et puis vous partez le lapider. Mais pourquoi penser que tout c'est Dieu? Et quand j'explique aux gens la mort, toutes les morts ne sont pas naturelles, ça le choque. Mais oui! Mais pourquoi on parle de la mort mystique? En français, on dit mort mystique. Il y a des morts qui ne sont pas naturelles, qui sont provoquées par Satan, par les agents du diable. Non, une fois une religion ne croit plus à la sorcellerie, moi j'attaque cette religion. Oui, parce que, faites la part des choses. Il y a ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Satan. Satan existe, il a ses œuvres. Il a ses œuvres. Et nous avons le discernement. On peut savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Satan mange quelqu'un, vous dites que c'est Dieu. Sorcier prend les gens, le mange, c'est Dieu qui a voulu. Comment Dieu a voulu? Comment Dieu? C'est ce qu'on est en train d'expliquer sur le plateau de télé. Le regard de l'islam face à la sorcellerie et le regard des chrétiens. Moi, j'ai dit, la chrétienté croit à l'existence du diable. Or, et quand on dit croit aux existences du diable, on parle des œuvres du diable. On parle des œuvres du diable. Et quand on constate qu'une maladie est mystique, nous prions pour détruire l'œuvre du diable, imposer la volonté de Dieu. Mais si vous ne pensez que c'est Dieu et Dieu, vous n'allez jamais prier. C'est ça qu'on a demandé. Donc, vous croyez aussi à la guérison divine. Vous croyez que Dieu peut guérir quelqu'un? Mais si vous ne croyez pas à l'œuvre du diable, vous n'allez pas prier. On prie lorsqu'on n'est pas d'accord d'une situation. On se dit non, c'est pas accepté. On n'est pas d'accord, il faut qu'on prie. Mais si tu penses que c'est Dieu, tu vas accepter. Tu vas laisser faire, puis le gars est mort, sorcier l'a tué, il a mangé. Amen. Amen. Oui, nous sommes là pour vous éclairer. C'est un phénomène qui est la sorcellerie, qui est une réalité. Ça existe. La sorcellerie existe bel et bien. Ça existe. Et c'est l'œuvre du diable. Et ce sont les agents du diable là qui endeuillent des gens et tout ça. Amen. Amen. Moi, j'étais victime. Je ne me suis pas levé un matin comme ça pour dire non, la sorcellerie. Je ne croyais pas à la sorcellerie. Jusqu'à ce que moi, j'ai vu la sorcellerie dissimuler ma famille. À commencer par mon père, mon frère aîné, ma soeur, jusqu'à moi, jusqu'à ce que Dieu me délivre. Et celui qui était juste derrière moi, ils l'ont attrapé, ils l'ont mangé. Voilà, donc la sorcellerie existe. Celui qui ne croit pas à la sorcellerie, il est un agent de Satan. Ou si tu ne crois pas, bon, reste tranquille pour qu'on t'enseigne. Mais il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe parce que tout ce qui est à nous existe. Donc la sorcellerie existe. La définition, c'est lancer de sort. Donc on me demandait, est-ce qu'on peut quitter Abidjan pour aller lancer un sort? C'est sans de lancer un sort, c'est mystique, c'est un esprit. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Amen. Comme je disais, il n'y a pas de vie. Je viens de sortir de la voiture. Je suis au travail. Le soir encore éveillé. Amen. Amen. Voilà, c'est pour vous dire, ceux qui viennent ici, soyez beaucoup patients. Et ça, je reviens encore plusieurs fois là-dessus. C'est important. Et vos parents qui vous envoient ici, souvent ils ont tendance à nous envoyer des messages, tel pareil là. Et ça, arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça parce que nous, ça nous déconcentre. Pas parce qu'on a envie que vous soyez ici.
Mais en même temps, si vous êtes ici, laissons-nous la possibilité de vous aider. Mais si vous nous emmerdez, moi je suis quelqu'un qui est caractériel. Si je comprends que tu ne rentres pas dans le système d'esprit, parce que tu peux être là, puis Dieu peut me dire non, ne le prends pas. Toi, tu as ça d'énervé, mais moi, je suis pas, c'est pas moi qui guéris. C'est pas moi qui délivre. Je me prépare pour attaquer l'œuvre. Parce que c'est une satanique. Tu viens ici, les démons te suivent. Vous venez ici, là, tous vos démons sont là. C'est crasso, ils attaquent. Ils sont prêts parce que je dois vous délivrer de leurs mains. C'est moi, ils attaquent. Donc, quand vous venez ici, soyez patient. Soyez patient, c'est important. C'est pas comme un infirmier qui sait qu'on doit prendre, qu'on appelle un produit palugette. Madame, où est tes fesses, où est tes bras qu'on pique? Nous nous maîtrisons tout avant d'attaquer la sorcellerie. Donc quand vous venez ici, soyez très patients. Amen. Surtout, je m'adresse à vos parents, ils savent que je m'écoute. Quand ils envoient des gens ici, ils sont les premiers à appeler, tu sais, tel parent là-bas. Écoutez, moi, excusez-moi, je vous respecte, mais respectez aussi mon ministère. Le jour où la maman de Jésus s'adressait à Jésus, vous dit, ils n'ont pas de vin, ils disent stop. Quel rapport y a-t-il entre toi et moi? Mon aide n'est pas encore arrivé, je suis ton fils. Mais en ce qui concerne les choses spirituelles, reste dans ton coin. Tu es mère. Moi, je suis un homme d'esprit. Et ça, c'est important. On peut être ami, on peut être frère, on peut être parent. Mais en ce qui concerne les œuvres d'esprit, ce n'est pas à vous de nous dicter ce qu'il y a à faire. Non, vous n'avez pas besoin de nous dicter. C'est-à-dire aux gens, moi, je ne suis plus comme un homme ordinaire comme vous. Je suis un homme d'esprit. C'est ça mon problème. Donc, je deviens un homme très bizarre. Et je reconnais que je suis un homme bizarre. Parce que quand tu n'es plus un homme physique, que les gens ne te comprennent plus, tu es bizarre aux yeux des gens. Amen. Donc soyez patient. Quand vous venez ici, soyez patient. Ne pensez pas que c'est comme l'interrupteur, c'est là. Dès qu'on appuie, la lumière sort. Non. Et d'ailleurs, celui qui délivre, c'est Dieu. Amen. Amen. Voilà. Crasso ne peut jamais être l'auteur de votre miracle. Non. C'est pas moi qui guéris les malades. Non. C'est Dieu. Je me laisse utiliser. C'est-à-dire, quand je sais que je suis physiquement au point, je dis prends-moi. Quand je sais que je ne suis pas physiquement au point, que je ne peux pas affronter telle chose, je me retire. Parce que je sais ce qu'on appelle la spiritualité. C'est pour ça que dans ce travail-là, ce n'est pas n'importe qui se met là pour attaquer la sorcellerie. Ce n'est pas qui veut. Ce n'est pas qui veut attaquer la sorcellerie. Tous ceux qui viennent ici décèdent toujours. Tout leur esprit, c'est de me manger, m'attraper. Fait que genou, un bon piment dedans, à checker. Et tous, ils viennent le manger. Même si je suis gros. Ça vous va? Là, j'ai le quartier général. Ça va, madame? Je te prends, hein. Si tu ne parles pas, que tu tournes, dégage. Je ne suis pas là pour tourner. Ça va? C'est toi qui parles tout le temps de tes cheveux. Tiens, manger, dame? Tu ne manges pas l'homme? Hein? Ça va comment? Tu as envie de manger? Viens ici. T'as envie de manger là? Tu manges plus. Pourquoi? Mange. Dieu envoie les êtres humains. Il a créé les êtres humains, il a créé les animaux. Il a poulet. Le blanc m'a réfléchi quand il y a plus de 2 semaines. C'est même pas cher, c'est 1500. Et c'est les hommes là où manger. Viens ici. Ton travail tu fais là qui t'envoie ici. Tu as honte. Tu dis quoi? Tu me moyens. Ah, tu me connais très bien. Moi je vous moyens en parole, je vous moyens partout. Je peux te gagner partout, sur tous les plans. C'est ton travail qui fait là. Il t'envoie devant les gens ici. C'est comme ça. Il faut respecter l'être humain. Ici là-bas, fait de dire non. Non. Le principe ici, quand tu as fait la sorcellerie, tu dois venir confesser, ça on appelle aveu, devant tout le monde. Quand tu parles là, nous on te délivre. Dieu n'a pas parlé, on ne te délivre pas. Et puis on a une manière de te délivrer, on peut donner un visa de la Mauritanie. L'avion vient te chercher, toi seul, dans le jet privé, puis ça te descend. Comme ça, quand tu es parti, et tu es parti, la famille s'est délivrée. Mortani, chez Chéri, c'est là sous la terre, chez les morts. C'est pas près du Maroc. Comment on appelle Mortani? Ça va? Et faut parler. Si je vois que tu rentres à gauche, à droite, je te laisse. Il fait quel travail? Tu as vu? Je t'ai parlé, hein? Je suis fatigué. Je suis en train de te demander, donc pour me répondre, je vais te délivrer.
C'est toi qui as besoin de moi. Tu es quoi? Maman, ça va? C'est votre maman? Oui, oui. Tu as vu l'enfant terrible. Tu mets l'enfant au monde, c'est toi qui veux manger. Elle sort de blé. Il y a pas. Ah, mais c'est les deux qui vont s'amour. Blé, je peux pas aller. Si il y a pas, si il y a blé, il y a pas. Nous, on appelle ça si encore. Nous, mon main, c'est Eric. Ah, c'est vite qu'elle est là. Non, si on a un truc comme ça, mais où c'est blé, il y a pas. Les deux là qui ont ménage, qui ont mangé. Tu connais elle? La bien pas français. Je vais venir. La bien, c'est pour te soigner. Depuis elle est là, depuis quand? Depuis mardi. Ah, donc docteur est venu, c'est pour vous soigner vite, vite, vite. Tu connais elle? Là, vous êtes en train de partir. Là. Attendez, il y a beaucoup de Yakuba pleut ici. Yakuba pleut. Oui, mais il y en a plein. Levez les doigts, les Yakuba. Ça prouve que il y a sorcellerie chez vous. Yakuba pleut. Moi, il y a des couronnes, il n'y a pas de couronnes, c'est pleut. Ah, ça pleut. Pleut, ça veut dire quoi? Village. Ah, je... Tu connais celle-là? Et ta fille? Tu sais pourquoi elle est là? Elle ne sait pas. Ok, c'est bien. Et son travail, là, qu'elle fait là, que tu ne sais pas là. C'est qui l'envoie ici? C'est ta fille. Mais tu ne la connais pas bien, bien. C'est ta fille, hein. Toi qui l'as mis au monde là. C'est toi qui manger un plé. Puis à bas. Elle est attachée. Elle dit pourquoi elle n'a pas cherché ailleurs. Elle dit sa fille n'a pas cherché. Non, elle ne cherche pas ailleurs. C'est dans la famille, elle prend un coup, elle gorge, elle mange. Et la fin, elle vient, elle prend, elle mange. Elle ne va pas ailleurs. Elle voit à côté, elle prend, elle mange. C'est pour cela qu'on t'a déplacé pour venir. Parce que tu as trop pleuré. Oh, nous gâteaux, nous soyons à l'époque, tu vas pouvoir pas. Ah. Ou n'est plus que tu pleures, comme tu as prié. Dieu, comment on appelle Dieu chez nous? Blanc. Hein? Blanc. 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 Hein? Blanc. 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 Comme tu as prié Dieu. Comme tu as prié Dieu. La dernière fois où tu as perdu ta fille, où tu as dit à Dieu de mettre fin à ça, ok, Dieu aussi va mettre fin. Il a envoyé, il a dévoilé ses lettres. C'est toi, on doit enterrer. Excuse-moi. Hein. Mais c'est toi qui enterres. Tu ne le vois pas grandir. Et puis c'est toi. C'est pas normal. Il fallait qu'on sache d'où venait le problème. Comme on a su ça, ça ne s'est pas arrêté là maintenant. C'est toi qui as pleuré là. C'est toi qui as mangé. Il y a fête qui arrive, c'est toi l'attaché pour manger en décembre. Et bonne sauce. Pour manger une sauce. Et puis Dieu a dit, bon, il faut que... Donc, j'ai fait 16 enfants. Aujourd'hui, on a 7. C'est record Guinness. 16. Ils ont mangé. 7. Hein? C'est 7. C'est 7 ils ont mangé. Ils ont mangé. 16. Il reste 7. Ils ont mangé 9. Ils ont bien mangé. Maintenant la soirée finie. En vrai. Bien. Qu'est-ce que tu as envoyé ici? Faut écouter, comme tu dis, tu ne connais pas ce qu'elle a fait. Écoute très bien. Oui, je vous casse le jeu.
Tu as fait quoi? Tu es quoi? Regarde ici. C'est pas à vous de lui dire. Et c'est pour elle, les gars. Non, elle dit quoi? Moi, nous, à quoi la zé, moi, à quoi dormir sur le zé? Elle dit quoi? Elle dit qu'elle est sorcière. Non, mais elle est rentrée. Elle a dit qu'elle est venue voir parce qu'elle a trop de ventes. Moi, elle est venue pour et tu as dit qu'elle est sorcière. Elle dit non, qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrêté ici? Attends. C'est toi qui dit qu'elle est sorcière. Je suis venu passer d'un point de vente et puis j'ai été accusé. Non. On t'a demandé, dis ce qui se passe. Déjà rentré dans les détails. Oh, je savais qu'elle était en train de rentrer. Les sorcières comme ça. Mais toi, tu as sorcellerie. Toi, on dit que c'est la brigade anti-sorcier. Et tu dis ta mot de vente. Mais c'est ce qui est maladie, vraie maladie. Mais tu as deux. Si tu as mot de vente, il y a une maladie qui mange les gens. C'est cette maladie-là que j'ai. Pour lui demander, je l'ai accusé, où est le sorcier? Il ne faut pas changer ça demain. Il ne faut pas changer, il faut lui dire. Il ne faut pas quitter si tu as changé. Si tu as quitté, il t'a changé là. Il y a des milliers de malédictions sur toi. Tu vas mourir de souffrance. Mourir, Astico va te prendre. Il ne faut pas quitter ici pour dire le prophète m'a accusé. Il faut permettre. Prophète, il faut que tu te tu n'es pas obligé de reconnaître. Malheur, ça, tu es sorcière. Tu as fait quoi? Donne une chaise à la vie. Et faut être courageux, la vieille. Ouais, faut être courageuse. Non, oublie la chaise. Dis la vieille d'être courageuse. Faut écouter ta fille. Tu as mis un fond au monde, mais tu ne la connais pas. Pendant qu'on dort, elle s'envole. Depuis 2 secondes, je suis sûr. Faut écouter ta fille parler. Tu dis, tu es quoi? Madame, tu es quoi? Tu es sorcière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais quel travail? Tu vas à Guinée, moi. C'est pas Guinée, hein? Elle dit quoi? Guinée, ça veut dire génie, non? C'est génie ou mais tu es sorcière? Elle a ce sorcier. Est-ce que tu me connais même? Oh, tu peux juste chanter de m'amuser toi. C'est que pourquoi tu dis génie? Mais pourquoi tu parles de génie? Tu parles de génie pour moi. Tu as fait quoi, sorcellerie? Là-bas, mon bras parlait pas de la chose. Elle dit quoi? Quand tu fais cocher, il faut être courageux. Va être courageux, tu fais sorcier. Si on t'attrape, il faut parler. Mets-toi ici. Ici. On t'envoie pour aller chercher des gens. Donc tu as tué. Donc, mes amis. Ok. Tu vas nous dire les gens, tu as tué. Mais j'en sais, ouais, top. Donc quand on t'envoie, tu dis pas non, tu sais pas dire non. Dis-nous. Mais faut qu'on te prenne. On doit te tuer. Donc tu dis, bon, quand vous voulez me tuer là, il faut que j'envoie. Tu n'as pas envoyé ou tu as envoyé? Donc tu n'as jamais tué. Ça va dans ta tête? Est-ce que ça va dans ta tête? Si quelqu'un il est là, tu l'attrapes et puis tu vas, on dégorge. Qui l'a tué? Quand les gens m'envoient. Oui, ben on m'envoie et puis tu sais que lui là, tu le prends pour qu'on aille le gorger. Qui l'a tué? C'est les gens n'ont pas l'envoi. Oh, il y a un monsieur, nous, on va faire un peu de la carrière. Non, ils sont ça, ils sont. Eux-mêmes, les aiment bien accuser les gens. C'est-à-dire, elles ne se sont pas concernées, elles se disent que ce n'est pas elles. Tu as vu? Quelqu'un est là, on te dit qu'il faut lui envoyer, on va le tuer. Toi, tu sais que tu vas là, c'est pour le tuer. Si tu l'as envoyé, qui l'a tué? C'est toi. Voilà,
Laissez-moi, hein, il a géré quand on finit de prier. Hein? J'ai fait quelque chose. J'ai rentré chez elle, tu roules là. Elle meurt. C'est tout. C'est la Seigneurie. Elle a quitté votre famille là, c'est fini. Tu as pleuré deux jours, c'est fini. De toute façon, il n'y a rien là, il ne veut pas changer. Tu n'as pas de remords. Ne dis rien, c'est pas moi. On m'a dit d'envoyer, donc il envoie. Quand tu en tues, là, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Quand tu tues, là, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Donc, quand tu manges, là, ça ne rentre pas dans ton ventre, ça rentre dans le ventre de quelqu'un. Tu as tué quoi? Qui? Dis le nom des gens que tu as tué. Elle ne me connaît pas. J'ai prié pour la vie. Je l'ai laissé partir. Elle dit quoi? C'est ce qu'elle a tué. Donne le nom. Elle a un grand frère Basile. Hein? Comment elle a tué Basile? Là, c'est complet. J'aime bien les détails. Comment tu l'as tué? Elle a une aiguille qui est fille avec. On a une grande soeur, ça s'appelle Véronique, c'est qui je suis. Elle est deux nouveaux-nés. Et quand tu as un gars? La mère des enfants là, c'est tout. Oh, tu te vois, c'est tout. Pas des îles. Elle était, mariée à un monsieur, elle a fait sa fonction. La fonction du monsieur. Pas des îles. Elle a sa belle soeur, la grande soeur de son mari. Elle a sa côté. La vérité, la garde, c'est qu'elle a fait. Oui, mais elle a parlé. S'il faut qu'elle meure, elle va mourir. De elle à celle-là qui va mourir. Elle va décider. Elle, c'est la vie changée. La vieille, si j'ai fini de prier pour toi, j'ai fait quelque chose, hein. J'ai été libéré. Ah, ça, c'est le problème. Elle a tué notre aînée, la plus grande de la famille. Va décider. Daniel. Oh, ça toi il demande ou bien? C'est là. Tu as fait quoi? Tu dis t'as gâté quoi? Tu as gâté quoi? Tu n'es pas français. Hein? Son ventre, tu as fait quoi? Quand elle tombe enceinte, tu prends, tu manges. Oh, chaque fois, elle demande. Quand elle tombe enceinte, tu manges. C'est pas toi, elle demande. C'est quoi? Oh, tu as quel problème? Hein? C'est la mélancolie qu'elle a dégagé de la famille. Pourquoi pas non? C'est saleté. Ça, c'est saleté.
Ah bien, vous voulez ou vous voulez pas, moi j'ai envoyé ça à la Mauritanie. Je l'ai envoyé. Ça je te promets, je donne ma parole. Qui mange son bébé. C'est pas ta demande. Donc elle tombe enceinte à ceux qui va te manger. Ah. Tu fais quoi encore? Tu as quitté, tu couches avec elle. C'est pas ça. C'est pas toi, il demande. Tu couches avec elle. Hein? Et pourquoi? Toi, tu es une femme, tu as quitté. Hein? Ça n'est pas bon. C'est oui. Tu couches avec elle. Non, t'as dit garçon, tu n'as pas. C'est pas toi, demande. La nuit, tu te caches, la nuit, tu viens faire. C'est ça. C'est ça. Il te pose la question, réponds-moi. C'est pas ça, tu n'es pas moi qui t'es dedans. Quand le travail n'est pas bon, quitte ça. Bah, je te fais quitter. Ça, tu as raison. Dedans bien. Tu m'as mis soin, toi. Hein? Je te fais quitter dedans bien. Bien. Je te promets ça. Quand tu te lèves un matin, tu as devenu bête. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui m'a dans ton cerveau. Là, tu vas comprendre. Que quand Dieu commence à châtier quelqu'un, on te parle à tes dents. Tu fais sans les morts. Tu peux même dire. Tu regrettes même pas, mais quand tu regardes là, on sent qu'il n'y a pas de remords. Tu es en train de jouer la vie des gens, tu penses que quoi? La vie. C'est la vie t'en est de ta vie. Qui n'aime pas la vie? Toi est en train de mourir. Qui n'aime pas la vie? À part celle-là, tu as gâté qui? Gâté celle qui me suit là. Non, laisse ta part. Oui, mais je pose encore la question. Tu as gâté qui? Pourquoi? Moi, c'est plus à son mari. Celle qui me suit là. Tu as gâté quoi dans la vie? Comment il s'appelle? Regarde ici. Tu as gâté qui? Emmanse, comment tu as gâté Emmanse? J'ai mis palabre. Tu fais comment? Donc, vous voyez donc qu'il y a les palabres qui ne sont pas naturels. Vous allez dire, c'est Dieu qui a vu qu'il fait palabre. Dieu. Respectez Dieu. C'est ce qu'il dit aux gens, mais respectez Dieu. Quelqu'un fait pas là, c'est Dieu. Ils t'ont blessé, il y a un qui est cassé, c'est Dieu. Ils t'ont giflé ta bouche, tes dents sont tombées, c'est Dieu. Mais respectez le bon Dieu. Oui, c'est tout Dieu. Mes parents musulmans, douleur. Allah est partout. Donc Satan, lui, est là, et puis il regarde. Ce que Satan fait, c'est Allah qui a fait. Pourquoi accuser Dieu comme ça? Oui. Je disais son gars qui a eu débat avec moi à la télé, c'est parce que vous là, vous ne maîtrisez pas la sorcellerie, vous ne pouvez pas les chasser, vous n'êtes pas les provoquer, vous ne dites rien sur ça. Sinon ils existent. Il dit le sorcier c'est celui qui est méchant, qui est mauvais cœur. C'est mon fils, mon gars. Tu connais le sorcier? Je l'ai dit, je t'ai envoyé à Divo, j'ai dit à deux enfants, vont te prendre. Deux jours. Ils vont te manger, il n'y a pas os dans ton corps. Les sorciers, c'est moi, ils regardent. Si ils disent attaque, ils vont attaquer. Ils ont faim, ils sont là. Ils ont fait comme ils ont vu ça manger. Attends, mais ils ont faim. S'il vient son boubou, là, il dit à les petits, attaquez-le. C'est fini. S'il quitte là, il va prendre, il va respecter la sorcellerie. Mettez ça sur tout Dieu. Dieu est assis là, celui qui a fait palabre, les deux sont battus. C'est Dieu qui a fait incident. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, on dit, mais vous êtes parti là-bas pour lapider Satan. Satan même derrière toi, même chaque jour, tu es dans sa maison. Pas venu lapider. C'est pour ça qu'il vous a tué là-bas. Toi, tu es mauvais, puis tu es venu prendre un caillou pour dire Satan. Tu es où, Satan? Mais voici, puis tu tapes Satan. Respectez Satan. Hein? Oui, alors? À part que tu es avec elle, tu vas aller la tu mets pas là avant elle et son mari. C'est toi qui demande. Tu as pas de parler. Hmm?
Quand tu as quitté ici, là, il y a quelque chose qui a rendu dans ton corps. Il a envoyé ça dans ton corps. Ça a mangé tout. Tu es là, puis ça mange dans ta tête. Ça mange dans ton cœur. La vieille, j'ai fait ça. Hein? Et tu sais, là, c'est la vie, elle te donne quoi? Elle t'arrive pas dans l'argent. Elle te donne l'argent. Toi, elle veut te manger une sauce. Ah, Harry, elle veut te manger. Tu as gâté, tu mets pas là. Tu as fait quoi encore? On a envoyé parler pour moi, elle elle n'a pas de nom. Attendez. Mais, hein? La maman, là, où elle est, elle n'a plus besoin de. Il faut qu'elle a besoin d'être assise. Vous allez venir donc donner à manger. Sa tête est tranquille. Mais vous la faites réfléchir. Là où elle est, ta maman, là, elle a besoin d'être assise. Toi, tes enfants viennent. Toi, t'as enfant. T'as mangé. Où t'as mis ça? Mais tu ne peux pas prendre, puisque tu manges. Tu as vendu ça. C'est un mot tenté d'amuser. Moi, je peux te compter sorcellerie qui a fatigué. Si tu vois une sorcellerie, fais pas enfant, c'est qu'elle a vendu sa fécondité. Elle a vendu. Arrête ta comédie là. Est-ce que ta maman savait qu'elle était sorcière? Tu savais qu'elle était sorcière? Demande-la. Est-ce que tu dois le faire? Mais c'est ici, il a attrapé. Mais jusqu'à là, même. Ta maman ne croit pas. Ouais, parce que depuis tout le temps, là, ça va se faire. Non, mais pourquoi ça vous dit, tu me dis, mais faut demander si cette drogue a donné pour qu'elle parle. Pourquoi elle est venue ici, là? C'est vieille, c'est pas vieille, on voit que sorcier. Pourquoi toi, tu es venu ici, je t'ai pas dit tes sorciers? Tu crois pas comment? Elle est dépassée ou bien. Elle est dépassée. Ah, bien expliqué. Sinon, c'est pas si le fait de la drogue en train de parler. Elle est consciente, et puis elle parle. La bassine est patate, j'ai bien revenu. Elle a fui. Elle a dit, mais elle va venir maintenant, c'est pas délire. Tu as gardé qui encore? Il m'a appris, c'est assis. Tu gardes l'argent des gens. Comment tu gardes l'argent? Ta soeur est en Suisse. Tu fais comment partir là-bas? Il n'y a pas d'esprit à sorcellerie. On parle qu'un français, toi et moi ici. On parle de quoi? Mais il y a l'objet, j'ai l'argent de l'argent, j'ai l'argent. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Hé, l'argent de ta soeur, tu fais comment pour garder ça? Elle est où? Hé? Elle se transforme en toi. C'est pas l'homme, ça, là. C'est pas l'homme. Mais c'est pas l'homme, ça, c'est un démon. Ça, c'est un démon. Moi, je délivre les gens. Quand j'écoute là, je peux savoir si lui peut changer ou pas changer. C'est mon travail. C'est là. Je t'aide. Tu veux, tu ne veux pas, je te rends des bons services. C'est un match. Ça, tu veux quoi? Je t'ai pleuré. Est-ce que tu as une maman? Ça fera durer combien de temps? Ça a passé. Même là, tu es bien même sur la tête. Tu peux dans une famille, tu gâtes la vie d'après. Tu n'es pas utile. On a envoyé la vieille. Tu as attaché qui? Tu veux manger qui? C'est ce que tu as attaché qui? Tu veux manger quoi? Commencer à manger qui? Il faut parler et puis on va prier. Non, mais pas quoi? Tu dis pas? Tu es malade. Ce que tu as dit la dernière fois, il y a la vidéo, il peut te montrer ça tout de suite. C'est là, tu dois te l'attacher, c'est pour ça qu'il l'a fait venir. N'est-ce pas? Hein? Mais quoi, dis-le, va dire à quelqu'un? Maman, elle a coupé aussi. Elle a coupé là. Elle n'a pas ma figue. Elle n'a pas ma Elle a dit qu'elle a attaché trois personnes. Elle a dit ça ici. Trois personnes, dont la vieille. La vieille doit manger en décembre. On a écouté ça ici. Dieu peut en déchirer son cœur, elle peut en mourir.
Quand quelqu'un parle pas trop tôt là, c'est type que ça. Tu l'as attaché ou pas? Ah, mais pourquoi tu t'as pas attaché? Daniel, tu sais ce qu'on appelle attaché? Tu sais ce qu'on appelle attaché? Eddie, tu es ici, non? Bah ouais, mais pour beaucoup de toi. Puis tu es là-bas, dans app. Viens. On va faire le feu. Puis marmite. Moi, tu mets dedans. Comment? Je suis en train de montrer comment c'est sérieux. Je suis en train de montrer comment c'est sérieux. Maintenant, elle va voir que c'est sérieux. Amen, ça marche. Ma mère, quand il est attaché là, c'est pas pour t'élever, hein, te donner pour élever. Non, c'est pour faire feu, marmite, te mettre dedans et te manger. Tu n'as pas bien compris. Bien compris. Pour moi là, c'est pas grave. C'est grave. C'est grave. On ne met pas l'homme. Pour toi là, c'est grave. Depuis quand on met sa maman? Pleurer. Oui, la vieille, c'est pour cela. Mais hein, tu as dit que tu as pleuré quand maintenant elle veut te manger la placadie. Après, c'est pas sorcier qui doit te tuer. Il y a un peu de temps. Nous, on mange poisson, poulet, cabri. Elle, c'est l'homme, elle mange. Donc, elle ne dit pas. Quand elle était délivrée, je la délivrerai d'une autre manière. Il y a une manière de la délivrer. Pourquoi tu peux aller attacher ta maman, et puis la manger sauce, et puis la caler? Tu trouves ça normal? Hein? Je te parle pas ma tête, hein? Je te parle ma bouche. Hein? C'est pas normal. Tu as vu? Tu as mis l'enfant au monde, mais tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Vous, des gens qui font des prises de position là. Non, ma maman peut pas s'agir, mon papa peut s'agir, mon frère peut être. Qu'est-ce que tu en sais? Tu partais tous dormir, tu sais, ouais, ça va la nuit. C'est pas écrit sur le visage pour dire ça, mais il juste sorcier. Ça fait peur. Tu as vu qu'un enfant, quand tu ne connais pas. La nuit, tu vas dormir, elle fait le travail. Elle fait vigile la nuit. On appelle ça soubara, elle va travailler la nuit. Elle finit de manger bien sa sauce et bien dormir. C'est pour nous la mener, elle cherche à manger. Elle mange deux fois. Tu manges deux fois. Oh, tu manges deux.
trouve ici et puis là-bas. Comment tu trouves ça? Viens ici. Toi-même, tu sais que c'est Nadège. C'est une assiette, puis il y a la Kali là. C'est la question que j'en ai posée au sorcier. Vous savez, tu as dit que bien que tu mailles là. Voilà, là, c'est Nadège, non? Tu sais ça? Vous demandez. Tu sais que c'est Nadège? Et puis tu manges. Tu manges. Maintenant, il y a la mort, tu viens, tu pleures. Tu cries, tu cries. Quand elle est morte, tu n'as pas pleuré. Tu n'as pas pleuré. Bon, madame, tu as pleuré. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Non, 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 attends. Tu as tué Nadège, tu sais qu'elle est morte. Hein? Je te demande, elle parle. Et donc elle est morte, il y a funérailles là. Tu as pleuré? Pourquoi? Pourquoi? Non, 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 non. Tu sais que c'est toi qui l'as tué, puis tu pleures. Pourquoi? Je te demande pourquoi? Oh, c'est à toi qui demande. Pourquoi? Yeah. Toi là, tu n'as pas changé. Tu vas changer comme moi, je vais appeler. Il y a quelqu'un posé la même chose, c'est là que tu me dis. Comment t'envoyer là-bas, quelque part? Tu veux que tu changes. La terre, quand la terre a été mangée, tu vas changer. La vie, j'ai beaucoup t'aider. Je t'aider. J'ai enlevé un mauvais type chez tout. Dans la famille, celui qui est mauvais là, j'ai enlevé. C'est comme ça. Prends l'huile, allez, prends l'huile. Je ne connais pas ça. Ouais, là, je ne sais pas enlever. Je sais amener sur la terre. Pour enlever là, je n'ai pas ce pouvoir là. Mais je vais l'amener sous la terre. Où on envoie les gens là? Je vais l'envoyer là-bas. Elle dit quoi? Elle va? Non, il faut que tu sois. Ah. Sorcière, à quoi tu es censé? Qui a dit ça? La vieille, on dit tu es attaché, ils vont te manger, te défaire. Hein? Ok. Prends-lui. Non, à prendre. Faut parler. Vous dites, maman, c'est moi qui ai fait ça et elle te mangé à des âmes. Je te laisse dans ma l'huile. Pardon, je te défais, pardon. Non, je te défais. Elle te défait quelqu'un. Je t'ai, c'est moi qui ai parlé. On dit qu'elle est défaite. Après la bazou. Je dis pardon à la paix. Ce que je fais, ce n'est pas bien fait. Je la défais maintenant. C'était vraiment important cette action. Vous avez dit cette action, je prononce la délivrance de ton âme, de ton esprit et de ton être, à la puissance qui est dans le Seigneur. Maintenant, il faut commencer à parler. Tout ce que tu as gâté dans la vie, les enfants de la vieille, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui ne sont pas là. J'aime discuter, hein? J'ai gâté dans la vie de trois personnes. Moi, c'est 11. Il n'y a pas trois personnes, ceux que tu as gâté. Tu as gâté tout le monde. Tu me places à la vie. Il ne faut pas dire que non, tu as gâté trois. Tu as gâté tout le monde, je vais régler le problème. Tout ce que tu as gâté, tu les libères. Voilà, c'est pas trois personnes, tu as gâté que trois personnes. Pas tellement une véritable sorcière. Je l'ai envoyé là-bas. Je l'ai envoyé là-bas. Elle a seulement, il l'envoie. Si tu quittes ici, il faut aller voir mes yeux. Là, tu fabriques ce que. Là, quand tu fabriques, tu gâtes. Sinon, ça va venir. Tu vas voir mes yeux.
dans la dimension du cercueil. Parce qu'ils ne vont pas payer. Tu fabriques comme ça, là, si tu meurs, tu vas te mettre dedans. Sinon, eux, ils ne vont pas payer du cercueil. Tu es là, tu tues. Ta maman pleure, les gens pleurent, toi, tu es là. Ça ne te dit rien. Tu as faim, tu vas, tu prends. Quand tu as faim, encore, tu rentres en vente. Dans le ventre de ta soeur, tu prends le fœtus, tu noies à Djigui. C'est quoi ça? Au lieu d'envoyer le bonheur dans la famille, c'est toi qui envoies pleurs, malédiction, malheur. Les gens pleurent. Et on n'a qu'à te laisser. Hein? On n'a qu'à te laisser. J'ai dit,